Damoiseau et messieurs, en somme, cher public, bonsoir. Tout d'abord, un grand merci pour votre présence. Elle fera bien sûr un grand plaisir aux musiciens qui vont avoir l'honneur de se produire devant vous, mais elle est aussi le signe de votre attachement à l'immense musicien que fut Michel Legrand, probablement l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle, tous genres musicaux confondus. 2024 est le 5e anniversaire de sa disparition. Il nous a quittés le 26 janvier 2019. Et le but de ce concert est de lui rendre hommage. C'est l'aboutissement d'un projet élaboré il y a maintenant 2 ans et qui a réussi à agréger des musiciens enthousiastes. Donc, faisons dès maintenant place à la musique. En scène, le groupe choral Tudarvo et sa chef de chœur, Michel Poder. Nous avons failli rajouter une chanson au programme, la superbe bossa nova d'Antonio Carlos Basileo Jobim, qui s'appelle Corcovado, qu'on aurait transformé à la sauce chanson plus bifluorée en Corcovidé, comme m'a soufflé Isabelle, une de nos choristes. Et effectivement, nous sommes un petit peu diminués en effectif parce que nous avons des Corcovidés ce soir. Mais pas de bossa nova, on va attaquer directement Michel Legrand. La première chanson que nous vous proposons aura pour nombre d'entre vous la douce saveur d'un bonbon. On a souvent dit que la musique de Michel Legrand était d'une grande subtilité, voire d'une grande complexité harmonique. Et ce n'est pas votre serviteur qui s'y est plongé pour réaliser les arrangements vocaux que vous entendrez ce soir qui ira à l'encontre de cette affirmation. Mais Michel Legrand savait aussi écrire des choses simples, d'une simplicité, disons, enfantine. C'est le cas de cette première chanson que vous aurez peut-être même, pour certains, chantée à l'école. Où vont les ballons ? Thank you.
Les deux chansons suivantes sont tout aussi connues. Écrite en 1968, la chanson du film L'affaire Thomas Crown, avec Steve McQueen et Faye Dunaway, est intitulée The Windmills of Your Mind, devenue en français grâce, encore et comme souvent, à l'immense talent du parolier Eddie Marnay, Les Moulins de mon cœur. Elle vaudra à Michel Legrand un Oscar de la meilleure chanson originale. C'est Tudor qui va nous l'interpréter. Vous entendrez immédiatement ensuite la valse des Lilas, devenue un succès international dans sa version américaine grâce à l'adaptation de Johnny Mercer, Once Upon a Summertime. Tant comme chanson, avec des interprètes aussi prestigieux que Tony Bennett, Astrud Gilberto, Carmen McRae, Sarah Vaughan ou Barbara Streisand, que comme standard de jazz, par de nombreux jazzmen, parmi lesquels je citerai Miles Davis, Oscar Peterson ou le duo Chet Baker-Bill Evans. Mitsuyo Ibi nous offrira ce soir, en toute simplicité, la version française originale, immédiatement suivie, succès international oblige, par son adaptation en japonais. Thank you.
C'est Jean-André Jacques, immense parolier, à qui l'on doit des succès devenus patrimoine national comme « Ah, le petit vin blanc » ou bien « Sous le ciel de Paris » pour le film éponyme de Julien Duvivier, ou bien « Il avait des culottes, des bottes de moto » pour Édith Piaf, ou bien « Bleu, bleu, le ciel de province, pour Marcel Amont. C'est donc Jean-André Jacques qui écrit les paroles de « Comme elle est longue à mourir ma jeunesse », qui sera interprétée par Michel Legrand, et aussi par Serge Reggiani, pour lequel Michel Legrand et Jean-André Jacques, justement, écriront d'ailleurs ensemble plusieurs chansons. Et du même Jean-André Jacques, vous entendrez ensuite, dans un style tout à fait différent, Mitsuyo nous interpréter « Retour en Java ». Thank you.
Connut un flop retentissant. Ce film, classé X à sa sortie, puis remis dans le circuit normal après quelques coupures, raconte les premières expériences amoureuses, sexuelles et la découverte de l'usage des stupéfiants par un étudiant de la fin des années 60, au moment du mouvement hippie. Le film est tombé dans l'oubli, mais la musique de Michel Legrand lui a survécu. Et d'ailleurs, rien de toute cette histoire, quelque peu osée, voire sordide, n'apparaît dans l'adaptation française réalisée par Franck Girald et que Tullavereau va vous interpréter en guise de chanson finale de sa participation à cette soirée. Et pendant que nos amis de Tullavereau quitteront la scène, Jean-Luc Duputz, qui n'est pas que l'accompagnateur de Jazzacé, mais également un brillant soliste, va nous offrir au synthétiseur une autre mélodie de Michel Legrand, le thème du film « Un été 42 », film américain réalisé par Robert Mulligan, sorti en 71. Pour la composition de sa musique originale, Michel Legrand recevra un Oscar en 72. Donc d'abord, un coup de soleil. Thank you.
Yentl, coécrit, coproduit et réalisé par Barbara Streisand, est un film sorti en 1983. Il s'agit d'une adaptation de la nouvelle Yentl's Yeshiva Boy d'Isaac Bashevis Singer, qui l'a écrite en 1962. L'histoire se déroule en Europe de l'Est en 1904. Yentl, jeune fille juive, refuse l'avenir tout tracé de femme au foyer auquel on la prédestine. Avec son père, elle étudie secrètement le Talmud, dont la lecture est absolument interdite aux femmes. À la mort de son père, elle décide de quitter son village pour parfaire son apprentissage dans une yeshiva, une école religieuse juive exclusivement réservée aux hommes. Pour ce faire, elle se déguise en garçon. Mais elle tombe rapidement sous le charme de son compagnon d'études, Avigdor. Taillée sur mesure pour l'immense talent et les capacités vocales éblouissantes de Barbara Streisand, la musique de Michel Legrand transcende complètement ce film qui est probablement l'un des plus beaux réalisés sur l'émancipation des femmes. Nous allons enchaîner deux des chansons du film. C'est d'abord Jazz à 7 et son accompagnateur Jean-Luc qui vont vous interpréter Papa Can You Hear Me, chanson qui se situe au moment où Yentl va passer seul sa première nuit à la Belle Étoile sur le chemin de sa nouvelle vie. Puis Mitsuyo nous chantera The Way It Makes Me Feel, la découverte par Yentl de ses premiers émois amoureux. Donc nous saluons l'entrée de Jazz à 7. Qu'est-ce qui écrit les arrangements, mais il leur manquerait une voix si j'allais pas leur filer un coup. Can you hear me?
Thank you.
ça sur le papier, on ne se rend pas bien compte de ce que ça rend dans la vraie vie. C'est extraordinaire, quel bonheur. Thank you.
de l'étroite collaboration entre Michel Legrand et le grand Eddy Marmet. D'abord, l'énergique et jazzy Brûle pas tes doigts, puis des deux mêmes, mais dans un tempo beaucoup plus calme, Les enfants qui pleurent.
nous pourrions célébrer les 20 ans de la disparition, puisqu'il nous a quittés en 2004, a réalisé, oui, 2004, ça fait 20 ans déjà, il a réalisé en 1974 son album d'hommage à la chanson française intitulé Récréation, et dans lequel il chante Prévert, Gainsbourg, Trigny, Brassens, Brel, Ferré et d'autres. C'est Les enfants qui pleurent que vous venez d'entendre qu'il avait choisi comme chanson signée Michel Legrand. Il était inévitable que ces deux géants, celui de la musique et celui des mots, se rencontrent. Cela se fera en 1962, sous l'égide de Jacques Canetti, dont on ne dira jamais assez quel grand directeur musical et producteur il fut, dénicheur de talents hors pair, et combien le jazz et la chanson française lui doivent. C'est lui qui, à l'époque, avait lancé deux débutants appelés Nobé Charles Trainé et Édith Piaf. Et c'était les deux premiers d'une longue liste. De leur collaboration naîtront de purs joyaux comme le cinéma, vous savez, sur l'écran noir de mes nuits blanches, nous garons le grand, mais aussi les Don Juan, le rouge et le noir, tout feu, tout femme. Jazz Acept va vous interpréter deux de ces merveilles. D'abord, le rouge et le noir, puis les Don Juan. Oh!
ce qu'il faut dire de ma désœuvre, pour voir en peine pour son lit, un soutien gauche sur une chaise, un père de bain sur un tapis.
fin de la fin du monde avant. Sa carrière aux plus de 1500 chansons, la grande Nana Mouskouri chantait, dans sa jeunesse, le jazz dans les cabarets d'Athènes. Voici ce qu'elle dit de Michel Legrand dans la présentation de son propre album « Quand on s'aime, tribute to Michel Legrand ». De retour en France, une autre carrière en français s'offrait à moi. Michel Legrand en fut l'un des grands artisans. Chanteur, exceptionnel pianiste, fin mélodiste, capable de jouer de nombreux instruments, il était pour moi l'âme même de la musique. Le parolier Eddy Marnay, mon cher ami, nous a rejoints, offrant des textes si tendres aux musiques de Michel. C'est ainsi que sont nés quatre duos, « Quand on s'aime », « La musique des étoiles » et « Si demain » et « Connais-tu ». Michel était devenu pour moi un véritable mentor, un maître très exigeant dont j'ai beaucoup appris, avec respect et émotion. On ne saurait mieux dire. Voici pour terminer ce concert, par Mitsuyo Ibi et Pierre Figaro, accompagné au piano par Jean-Yves Dupuis, « Quand on s'aime ».
de Tullarvraux le temps de remonter en scène, nous allons vous offrir tous ensemble une dernière chanson. Ce retour se fait bien sûr en musique et Jean-Luc va nous interpréter une version instrumentale de « Quand ça balance », autre fruit de la collaboration si féconde entre Michel Legrand et Eddy Marnay, et un superbe hommage au jazz. Le temps est venu d'une dernière chanson. Michel Legrand en a signé non seulement la musique, mais, chose unique à ma connaissance, également les paroles. Cette chanson s'intitule « Les musiciens ». Merci encore à vous tous, cher public. Merci aux équipes techniques, son et lumière de l'archipel qui ont rendu ce concert possible. Merci à son équipe de communication qui a imprimé les programmes dans l'urgence quand notre imprimeur nous a lâchés. Merci à Laure Benmez pour la mise en ligne du concert sur le site. Merci aux bénévoles, familles et amis qui ont travaillé en toute amitié et en toute discrétion à la préparation de ce concert, l'affichage, la billetterie, le placement. Merci également à nos soutiens, la ville de Fouesnant et ses équipes techniques municipales, le Crédit Mutuel de Bretagne, les assurances Label, l'hypermarché Leclerc de Pont-l'Abbé et l'équipe du Centre culturel qui y est rattaché, l'Union des commerçants pour le gouvernement sont toujours très accueillants. Rendez leur visite. Et la radio RMN, la Bretagne en musique. Et un immense merci à Édouard Fleuriot, graphiste indépendant qui a réalisé avec talent l'intégralité des visuels de cet événement. Affiche, banderole, fan et programme. Si vous êtes là ce soir, c'est sans doute aussi un petit peu grâce à lui.
Et nous vous donnons rendez-vous en 2029 pour le 10e anniversaire. Et merci à vous.